بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، السلام عليكم. Bonjour. On poursuit notre travail. Dieu nous dit: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Donc, leur faute, la grave faute commise dans ce domaine-là de rejet de toute information relative à Dieu, de tout messager venu par le biais des prophètes qu'on appelle d'Allah sur eux, et les messagers de Dieu. Dieu nous dit, c'est leur état, c'est un état de rejet qui est très mauvais pour eux. C'est-à-dire Dieu. Ils ne veulent rien accepter et comprendre ce que ça veut dire Dieu. C'est vraiment inimaginable. Comment on peut parvenir à cet état-là de délire? C'est impossible. C'est-à-dire, le haq ici, c'est la révélation à travers les siècles. Et ici, peut-être, les plus cités ici, les plus, ce que Dieu va nous faire dire, c'est-à-dire les Korachites et les Israélites. C'est-à-dire, il y a eu une réalité, c'est la réalité de la révélation véhiculée par notre prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. Et Dieu leur a promis que les événements vont venir un jour ou l'autre pour le faire voir que ce qu'ils ont traité comme menteur ou ce qu'ils ont traité avec ironie, avec comment dirais-je, impolitesse et avec comment dirais-je, moquerie, c'est ces événements-là vont vraiment couper court à leur délire et à leur dérangage, et ce sera ici maintenant pour eux le plus insupportable, mais l'après ici maintenant c'est plus intolérable. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.